dans ces bois sombres et inquiétants se cachent de mystérieux secrets. Sauras-tu les trouver? Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler de Riskywood, un petit jeu de plateforme sympa fait en 92 par The Soft et Electronic Arts. Alors, il est sorti sur Mega Drive en 92, mais il est aussi sorti sur Amiga. Les deux versions diffèrent, forcément. Mais à quelques détails près. Bon, je vais vous montrer la cartouche. Tada! Alors, c'est une cartouche Electronic Arts. On reconnaît au logo jaune. Tout c'est plus basique. Hein. Bon, il y a la notice. Je vais vous la sortir. Très épaisse. Et en toutes les langues, anglais, français, enfin toutes les langues européennes quoi. Bah je vais vous la lire. Le speech de l'histoire. On disait des vieux moines qu'ils étaient sages. Et ils ne devaient pas être si sages que ça. Après tout, ils se sont laissés transformer en statue par le méchant Draxos. Bon. Je vais pas vous raconter l'histoire non plus, hein. Ce qui nous importe, c'est le jeu. Bah, allez, je pense que le plus important, les contrôles. Croix directionnelle pour se diriger. A pour tirer, B pour sauter, C pour chanter. Oui, oui. Vous m'avez bien entendu, oui. On peut chanter là-dedans. Enfin, du moins dans la version Mega Drive. Parce que dans la version Amiga, vous ne pouvez pas chanter. Mais je vais vous montrer ça en jouant. Bon bah je joue au jeu. Voilà, là on joue au jeu. Ah. Electronic Arts. Ça c'est Riskywood. Là regardez les scores. 10 000, ça va 10 000 jusqu'à 100 000. On va dans options. Et ça vous met tout ça. Allez, on va commencer le jeu. Bon, je vais tester que la version Mega Drive parce que j'ai pas la version Amiga. C'est un petit jeu de plateforme très sympa. Alors, vous shootez les monstres et vous avez des pièces. C'est un peu comme Mario, vous voyez. Hop. Avec une gestion des sauts catastrophique. Par contre, ça c'est bon, 10 000. Vous prenez des bonus et ça vous met en arrière, comme les flèches. Je vais essayer de vous montrer ça, hop. Si vous avez jamais joué au jeu, ça va vous surprendre un peu, mais je vais essayer d'avoir 33 pièces. Zut. Hop. Objectif 33. Oula. Bon, 16. Super. Ça, c'est un disque. C'est une moitié de disque. Vous devrez en récupérer deux. Hop. Zut. Vous voyez les flèches ici? Ça vous met au départ. Hop. Ils réapparaîtront indéfiniment si je fais rien. Yop là! Saleté de monstre. Hop. Hop. Ouais, plus 15. Et le truc qui me shoot avec des pamplemousses. Hop, on prend la pomme. Punaise. Prends les trucs. Regardez, j'ai pris la pomme et ça m'endort. On pourrait penser à les bonus vous tuent, mais non. Et la chute m'a tué. On avance.
Et il y a 12 niveaux là-dedans. Hop. On les smash. C'est... Et là, on chante. Ça, c'est le boomerang. Vous avez plusieurs armes dans le jeu. Mieux vaut reprendre les couteaux, qui sont l'arme de base. Ça, c'est le moine. Ils sont là pour vous aider, mais... Attention, il y en a des faux. Plus que 10 pièces. Oh mince! Je vais essayer de récupérer 33 pièces. Hop, on saute. Oh non! C'est pas grave parce que j'ai 81 000 points. Non, 82. Je vous ai dit que la gestion des sols était catastrophique. Hop. Et dire que j'ai comparé ça à Mario. Hop. Putain. C'est l'effet qui sert à rien, mais bon. Putain, le truc qui me balance des oranges, c'est catastrophique, on peut même pas les éviter, que ça soit en sautant, en... Je vous rassure, c'est pas la seule musique. Oh. Saleté. Une pièce, bon ça va être... C'est loupé pour les 33, mais... Sait-on jamais. Sauter. Et c'est pas grave parce que c'est pas la seule chose que je voulais vous montrer en fait. Ah chouette un sac. Ça encore, ça c'est un petit jeu de plateforme sympa, vous imaginez Sonic comme ça. Ah la hache! Oh punaise! Ça va, ça c'est correct. Là, vous voyez, j'ai 32 pièces. Enfin, 30 pièces. 32, 33, 33 pièces. Attendez encore 34 pièces, enfin. Enfin, quand vous aurez 67 pièces, vous passerez à une armure dorée. C'est tout. C'est pas la seule musique du jeu, il y a la musique du niveau 2. Peut-être y arriverai-je. Enfin, du monde 2. Ça, ça c'est une vie. Voilà. J'ai déjà eu la vie, hop. Pas plus tard qu'hier, j'ai rejoué à ce jeu. Un jeu que j'aime bien. Ah zut, ça aussi c'est un faux. Pas plus tard qu'hier, j'ai donc rejoué à ce jeu et j'ai remarqué que quand vous avez les 67 pièces, vous êtes invincible. Il peut rien vous arriver. Time out. C'est pas grave. Parce que je vais... Le jeu est terriblement linéaire. Ouais. Prenez ça. Est-ce
que ça sert. Bon, là j'ai l'armure basique là. Mais il y a quelques versions qui diffèrent ici. Enfin, de la version Amiga. Zut. Premièrement, la tenue du gars là, elle est différente dans la version Amiga. Elle est noire. Là ici, ça fait plus penser à la tenue d'Hercule. Enfin, Hercule, je sais pas, mais... Et aussi, vous n'avez pas besoin de faire des musiques dans la version Amiga. Vous balancez le disque et ça vous passe au chemin différent. Enfin, ça vous passe le chemin. Alors là, vous voyez, je suis dans The Best Ranking. Faites au moins 10 000. Alors, j'ai un truc pour vous. Vous tapez E. Vous tapez E, O, A pour Electronic Arts. Ça vous remet au début. Logique. E, O, A. Vous avez l'indice ici. Vous allez dans Options. Et vous pouvez choisir votre niveau. On peut aller à la fin. Je vais pas non plus vous gâcher le spectacle. Alors on va aller au niveau 4. Start. Normalement c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les cavernes. La meilleure musique du jeu. Et ça, c'est maximum de pièces avec l'armure d'or. Je pense que c'est la meilleure musique du jeu, celle-là. Enfin, ma préférée du moins. Prenez les pièces, ça vous les enlève. En conclusion, Risky Wood, c'est un petit jeu de plateforme sympa sur Mega Drive. Bien différent sur Amiga, que ce soit pour la tenue du joueur ou pour le jet de disque et ça vous permet de passer quand vous jetez le disque. Mais c'est un petit jeu sympa, quand même très sympa à jouer, mais horriblement linéaire. Faut dire ce qu'il est. Heureusement qu'il y a des musiques, sinon on s'ennuierait. Bon ben, à salut. Hein.